Salut tout le monde, c'est Célépon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA V pour la suite, bien sûr, de mission de The Contract. Donc j'espère en tout cas que ce sera la dernière mission avant d'être voir la mission VIP. Bon, on va voir ça tout de suite. Effectivement, j'ai toujours pas débloqué contrat VIP, mais je vais continuer mission de sécurité. Récupération de véhicules. Donc, il me reste encore deux à faire. Donc, il reste encore deux épisodes, bien sûr, à faire. Allez, c'est parti. Je récupère les véhicules. Donc, ce coup-ci, le paiement sera 42 000. La dernière fois, je me suis un petit peu trompé. J'aurais préféré que vous laissiez dans le commentaire une petite remarque. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas de remarque. Donc, c'est tranquille pour moi. So from what I hear, the Ellis car meet is a cool ass spot. But you gotta be careful walking in there looking like a buster. Flash your keys like some rich fuck just trying to show off his last bonus? Then you're gonna get the wrong kind of attention. Shit, how do I know? Cause that rich fuck is our latest client. Got his brand new supercar jacked just 2 minutes after he got it. Look, Imani's tracking this to some garage in Davis. Belongs to the ballers. So I wouldn't go down there packing light, you feel me? Just pick up the car and bring it back to the client. Rejoignez Davis. Bon, c'est pas loin, c'est juste à côté. Alors, entrez dans le garage. Ok, bon. Je suis rentré dans le garage. Je sens que il va encore avoir une mauvaise surprise là qui m'attend. C'est sûr et certain. Regarde-moi des véhicules des gangs là. Regardez-moi ça. Regardez-moi tout ça là. Hein? Allez, je rentre. Petit rentrée en force. Ah, ils sont nombreux. Du coup, localiser la voiture volée. Ok, bon. D'abord, la guerre comme à la guerre. Ah, j'ai pas vu celui-là. Ah, ils sont bien armés en plus là. Je me cache, je tire, je me cache. Ah, dommage, dommage, celui-là, je peux pas l'atteindre. Moi aussi, je sais tirer comme ça. Hein. J'ai pas besoin de viser. Hein. Dépêche. Ça, c'est bon. Il reste plus que 3. D'ici, je peux pas tirer. Je ne peux pas tirer depuis là si je prends la. Par contre, c'est bien de me. De me mettre face à un endroit où. Wow! Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis en pleine tête en tout cas. Bah, il faut pas que j'explose les voitures. Il faut pas que je touche un truc explosif. Oh, j'ai fait. Prends ça, prends ça. Bye bye. Voilà, c'est bon, son compte est réglé. Hop, il reste plus qu'un dernier, non? Loupé. Voilà, le dernier est terminé. Enfin, j'espère. Il dit de localiser. Il dit de localiser la voiture volée. Donc à mon avis, c'est ça doit être soit celle-là, soit c'est celle-là. Non, pas celle-là. Et où la petite voiture? Dans le conteneur peut-être, hein, pourquoi pas? Parce qu'il y a des petits espaces par là. Non, non, il n'y a pas de voiture ici. Avec quoi je vais localiser cette voiture? Je ne sais pas du tout. Mais par contre, mon personnage, André, il est très très lourd. Hein. Il ne veut pas courir. Du coup, est-ce qu'il y a un truc dedans? Non, je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas rentrer dans la porte. Ou alors, il faut que j'ouvre... Enfin, j'essaie d'ouvrir les voitures. Non, pas celle-là. Peut-être celle-là. Non, pas celle-là non plus. Si ça se trouve, c'est celle qui est devant, là. Celle qui est... Ah, ah, ça m'a attiré l'œil, c'est là. Pas besoin de... Vous avez récupéré Linus. Donc, du coup, je fais comment pour sortir? Bon, par la porte, bien sûr.
La porte, elle est par là. Donc, leur système... Wow, 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 wow. 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 C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu dans le contrat. Wow. C'était pas vu dans le contrat, tout ça. C'était pas prévu. Oh, j'étais surpris, quand même, hein. Du coup, débrouiller la porte. Oui, bah, il fallait dire ça avant. Ah oui, il fallait s'y attendre. Je crois que toutes les missions, elles sont pareilles. Hein. Elles sont toutes pareilles, les missions. Donc, une fois qu'on récupère les véhicules, je vais me faire incendier à l'extérieur. Allez, je vais mettre protection quand même. Petite protection. J'en ai pas mal. Alors, est-ce que j'ai l'âme d'un bon conducteur? Est-ce que j'ai l'âme de bon conducteur? Il y a 1 km à faire. Wow. Comment ça trace cette voiture? Je pense que les ennemis vont pas m'attraper. Hein. Wow. Je me sens très léger à l'intérieur. C'est quoi comme voiture, ça? Dinka Duster RR, ok, sportive. Oh. Attrapez-moi, les gars, attrapez-moi, vous pouvez pas m'attraper là. Attendez, on va faire une petite cinématique. Oh, ah, ah, dommage. J'ai touché feu de signalisation. Waouh. Allez, on esquive tout le monde. J'esquive. Oh, petite cinématique. Waouh. Allez, je roule. Allez, roule. Ah, mince. On m'a rattrapé, j'ai fait trop le malin. Ou alors je fais exprès. Et donc du coup, je pense qu'il faut que je rentre dans les garages. Je suis arrivé. Oh, oh. Hey, you did good. Oh, tout se sent quand même. Normalement, je sais pas comment j'ai fait hein, pour rentrer chez moi. On m'a tiré partout. Sur le corps, sur les bras, mais je suis encore vivant. Et ouais, maintenant je vais m'asseoir pour dire au revoir à mes abonnés. Jusqu'à ce qu'on va se retrouver la semaine d'après, la semaine prochaine, pour une autre vidéo. En tout cas, mon personnage, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de commenter cette vidéo, de faire partager. Et puis toi qui n'es pas encore abonné, ben n'hésite pas à t'abonner, de liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.